on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que ChatGPT 4o va être la révolution. On va parler de ChatGPT 4o d'OpenAI avec ses différentes nouveautés. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont raté les dernières présentations de ChatGPT 4o? Est-ce que vous êtes rendu compte, dans l'une des présentations, OpenAI a présenté une personne aveugle à Londres avec une application du nom de Be My Eyes. On s'est aperçu que ChatGPT 4o, O pour Omni, a des possibilités de voir en temps réel le monde réel, et ça, ça va vraiment tout changer. Pourquoi ? Eh bien, imagine-toi être malvoyant ou être une personne aveugle et avoir besoin de savoir comment tu es habillé. Est-ce que les couleurs suivent ? Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur ton t-shirt ? Y a-t-il quelque chose de marqué sur ta casquette ? Et, étant donné que tu es malvoyant ou aveugle, eh bien ça, tu n'es pas capable de le savoir, bien sûr. Et si ChatGPT 4o d'OpenAI aurait la possibilité de te le dire par le biais de commandes vocales ? Est-ce que c'est possible ? Alors, pour tout te dire, j'ai bifurqué le système. Tu vas voir que comment j'ai effectué ce test, ce n'est pas vraiment encore le ChatGPT 4o d'OpenAI qui est capable d'avoir des yeux pour te regarder et te dire en temps réel comment tu es habillé. Mais à distance, par le biais du contrôle vocal, et tout ceci sera complètement accessible via ton iPhone sous iOS ou via ton smartphone sous Android avec le contrôle vocal. Pour iPhone, tu te serviras de contrôle vocal et pour l'Android, tu te serviras de Voice Access. C'est une astuce sur Vision High Tech. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, mets un maximum de pouces en l'air, un maximum de j'aime. Ça fait plaisir, ça encourage la chaîne. Et puis, surtout, abonne-toi, partage cette vidéo. Et surtout, petit sondage, j'ai l'habitude de vous faire un petit sondage maintenant. Combien de personnes sont malvoyantes qui vont regarder cette vidéo et combien de personnes sont aveugles qui vont regarder ou pour certains, ils disent écouter cette vidéo. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment puisque je ferai suivant le nombre de personnes et eh bien d'autres vidéos de ce genre. Allez, je vous montre comment on utilise, on bifurque les possibilités de ChatGPT 4o, souvenez-vous, Omni pour la vidéo, le son et attention, ChatGPT 4o est capable maintenant de vous voir, de voir l'extérieur et de vous dire en temps réel ce qui s'y passe. Dans cette vidéo, je te montre, tu vas entendre ma tenue. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur mon t-shirt ? Comment je suis habillé ? Est-ce que mes couleurs suivent ? Est-ce que j'ai une montre ? Est-ce que mes bracelets sont jolis ? T'es prêt ? Allez, viens, je t'emmène. Et surtout, abonne-toi. C'est parti ! Voici ma tenue. Je suis donc habillé comme ceci. Tu valides, ok ? Donc là, t'as un beau mec qui est là, présent. Par contre, je ne sais pas les couleurs que j'ai mis. Je ne sais pas le t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Est-ce que j'ai une casquette avec des choses dessus ? Je te montre comment, en toute accessibilité, utiliser ChatGPT 4o Omni d'OpenAI. Une astuce iOS Android à ne surtout pas manquer. Surtout, abonne-toi, partage et un max de likes si tu as aimé cette vidéo. Et tu vas voir que tu vas plus jamais sortir avec des couleurs qui ne suivent pas. C'est parti. Allez, je vais enfin savoir comment je suis habillé. C'est parti. On commence. On va demander à Siri. Dis Siri, activez le contrôle vocal. Très bien. J'ai activé la commande vocale. Revenir à l'écran d'accueil. Maintenant, on ouvre l'application. Ouvrir ChatGPT. ChatGPT, nouveau message, champ de texte, modification en cours, mode caractère. Toucher joindre. Joindre des fichiers, bouton. Toucher prendre une photo. Fermer, bouton. Zéro personne. Incliné vers la gauche. Un visage au centre. Incliné vers la gauche. Un visage près du bord gauche.
centré. Incliné vers la gauche. Toucher, prendre une photo. Retour, bouton. Toucher, suivant. Menu, bouton. Toucher, nouveau message. Nouveau message, champ de texte, modification en cours. Joindre il y a quelques mots à se rappeler. Mode caractère, point d'insertion au début. Utiliser le routeur pour accéder à mots mal orthographiés. Peux-tu détailler cette photo ? Tu sais que je suis une personne aveugle. Peux-tu détailler cette photo ? Tu sais que je suis une personne aveugle. J'aimerais savoir comment je suis habillé. Est-ce que toutes les couleurs que j'ai mises suivent correctement ? Est-ce qu'il y a des inscriptions sur mes vêtements ? Et est-ce que... J'aimerais savoir comment je suis habillé et est-ce que... Est-ce qu'il y a des inscriptions sur mes vêtements ? Est-ce qu'il y a des inscriptions sur mes vêtements ? Est-ce que les couleurs suivent ensemble ? Est-ce que les couleurs suivent ensemble ? Est-ce que d'après toi, je peux sortir à une soirée mondaine ? Est-ce que d'après toi, je peux sortir à une soirée mondaine ? Toucher, envoyer. Joindre 11, 12, 13, 14, 17, T, 18. Voici une description détaillée de la photo. Vêtements et apparence. Puisse vous porter un t-shirt gris clair avec des inscriptions et un motif imprimé. Le motif semble représenter une scène tropicale avec des palmiers, et les mots pacifiques et exotiques sont visibles. Puisse vous porter un pantalon noir. Puisse vous avez un chapeau ou une casquette de couleur sombre, probablement noire, sur la tête. Puisse vous porter des lunettes de soleil noires. Puisse vous avez des bracelets au poignet droit. Couleur et harmonie. Puisse les couleurs de vos vêtements, gris clair pour le t-shirt et noir pour le pantalon, sont neutres et harmonieuses ensemble. Puisse les accessoires, tels que la casquette et les lunettes de soleil noir, sont également en harmonie avec le reste de votre tenue. Contexte. Puisse vous êtes debout dans une pièce avec un sol en carrelage de couleur beige. Puisse il y a un lustre décoratif au plafond. Puisse à gauche, il y a une petite table ou un comptoir avec divers objets et sacs accrochés. Puisse, derrière vous, il y a une porte blanche et un rideau blanc séparant deux espaces. Puisse à droite, il y a un porte-manteau avec des vêtements et un chapeau en paille. Pour une soirée, puisse votre tenue est décontractée mais soignée. Le t-shirt avec l'imprimé donne un aspect décontracté, tandis que le pantalon noir est plus formel. Puisse les couleurs neutres et les accessoires, casquette et lunettes de soleil, sont bien assortis. Puisse cependant, pour une soirée formelle, vous pourriez envisager un mot plus élégant. Si la soirée est décontractée, votre tenue est parfaitement adaptée. Voilà, vous avez compris que tout ceci s'est fait à distance, ce qui veut dire que vous pouvez vous mettre à distance de votre iPhone, vous prendre en photo en toute autonomie, seul, et demander à ChatGPT 4O de vous expliquer votre tenue, de vous expliquer les couleurs que vous portez en toute accessibilité. Franchement, je trouve ça assez génial. La vision va arriver, l'écoute va arriver, les possibilités de pouvoir discuter en temps réel avec ChatGPT 4O vont arriver. Donc, restez connectés sur la chaîne, abonnez-vous et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous utilisez ChatGPT sur iOS ou plutôt sur Android, dites-moi ça en commentaire et surtout dites-moi si vous avez trouvé cette vidéo utile. L'accessibilité pour les personnes aveugles s'améliore de jour en jour. Merci beaucoup d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines astuces sur l'accessibilité pour tous. Salut à tous!